Madeleine Toro Passo. Bravo Madeleine, merci beaucoup pour ce passo double. Bonjour Madeleine et merci d'être venue aujourd'hui. Bonjour, Jérôme va t'aider à t'installer. Bonjour Madeleine, ça va? Bravo, tu t'es très bien débrouillée. C'est ta première télé? C'est la première fois que tu passes à la télé? Non? Tu es déjà passé dans quelle émission? Top Accordéon. Top Accordéon. Et tu habites où? À Saint-Chéron. Où ça? À Saint-Chéron. C'est où ça? C'est loin, hein? C'est loin? Oui. Bon. Comment t'es venue cette passion pour l'accordéon? Qu'est-ce qui t'a fait apprendre l'accordéon? Ton papa? Elle nous a joué un très joli passo d'âme. Oui, si vous avez bien écouté les paroles, ça résume que je crois que tu aimes les taureaux, les animaux, en règle générale. Parce que dans les arènes, on lui met des piques et on les mange. Ah. D'accord. Et on m'a dit que tu aimais bien les ballets classiques. C'est vrai? Oui. C'est pour ça que t'as des robes de princesse. Lesquelles? Tchaïkovski. Oui. Et plein d'autres, tu lui dis. Et plein d'autres. Il est embêtant. Il s'appelle Pierre-Yves. T'as le droit de temps en temps. Je crois qu'il s'agit aussi d'une question. C'est une famille de musiciens, puisque Madeleine a déjà son site internet à 6 ans et demi, madeleine.net. Et son papa est un musicien. Alors Madeleine avec un Y. Avec un Y. M-A-D-L-Y-N. Et on y retrouve de nombreuses partitions, un joli catalogue musical sur ce joli site. Alors, tout à l'heure, vous ferez un duo tous les deux, hein? À deux, tous les deux évidemment, avec grand plaisir. Merci Madeleine, tu restes avec nous et on accueille, c'est au tour de Jérôme Richard, tout simplement, d'interpréter Mazurka en Bretagne. On applaudit Jérôme Richard.
Jérôme Richard Mazurka en Bretagne. Merci beaucoup Jérôme pour cette mazurka qu'on retrouve dans cette compilation 1, 2, 3 musette, le volume 3. Et oui, dans ce joli coffret de 4 albums sans titre, réunissant évidemment les grands standards de l'accordéon, mais également vos accordéonistes préférés de l'émission 1, 2, 3 musette. C'est au tour de Thierry Bonnefous de nous rejoindre avec Madison, Madison Tonight. Madison Tonight, merci beaucoup Thierry pour ce Madison. Merci d'être là. Avec plaisir, merci à vous de m'avoir invité une fois de plus. Et de faire le déplacement à chaque fois depuis l'Aveyron. Hein. Depuis l'Aveyron, oui, oui, ça fait... De Rodez. Ça fait loin, depuis Rodez, voilà. Alors on m'a dit qu'il y avait un célèbre bowling, j'ai pas compris l'histoire. C'est quoi cette histoire, Jérôme, Thierry? Alors ça, c'est vraiment le QG de tous les accordéonistes. Le quartier général des accordéonistes. Le quartier général des amoureux de l'accordéon et du musette. Ah. Le bowling du Rouergue, à côté de Rodez, à Honnay-le-Château. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, venez voir, vous comprenez de suite. On y mange très très bien, on y fait la fête, on y joue de l'accordéon, c'est vraiment un endroit incontournable. Alors, en plus de jouer de l'accordéon et de composer, vous avez également un studio d'enregistrement ? Oui, tout à fait.
Et c'est d'ailleurs là qu'a été enregistré cet album, le dernier. Voilà, c'est le dernier, voilà, il vient de sortir. Parfum d'accordéon. Parfum d'accordéon, oui. Ça sent pas mauvais. Il y en a pour tous les goûts, 19 titres. Voilà, des nouvelles compositions. Pour se le procurer, il faut aller sur votre site internet ou dans vos galas. Sur mon site, dans mes galas, oui, pas de soucis. Eh bien, merci Thierry. On accueille une nouvelle invitée, Myriam Thiébaud, l'accordéoniste vosgienne avec une tarentelle, Tarantella d'Ocana. Thiébaud, Tarantella d'Ocana. Merci beaucoup Myriam pour cette tarentelle. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à nouveau sur le plateau 1-2-3 Musette. Alors je rappelle qu'en plus d'être accordéoniste, vous êtes également l'organisatrice avec Frédéric Buch d'un grand festival Accordé Montagne. Accordé Montagne, qui là on est en plein boom puisque c'est troisième semaine de janvier. Et voilà, en plein dedans, donc prêt à fêter les 9 ans déjà. 9 ans 9 ans. Avec plein d'accordéonistes, plein de surprises et des bons moments. Toujours des bons moments dans les restaurants, dans les soirées. C'est la convivialité, c'est l'amitié, c'est le principal. Alors une pléiade d'accordéonistes chaque année, mais aussi de nombreux danseurs qui font le déplacement pour venir de toute la France à cet événement. Qui ont découvert. Combien de personnes à peu près sur la semaine? Sur la semaine, 2000 personnes. 2000 personnes, oui. Et puis une grosse couverture médiatique aussi dans tous les journaux, la presse locale. Et puis même sur des journaux comme le 13h par exemple. Oui, le théâtre. Le 13h. Voilà, ben en tout cas, bonne continuation pour cet événement. On va laisser la place à Michaël Richard qui nous rejoint avec une valse, l'Oiseau Musette. Thank you.
Richard, l'oiseau musette. Merci beaucoup, Mickaël, pour ce titre qu'on retrouve sur cet album. Le duo des deux frères Richard, la cumbia de Panama, que vous pouvez vous procurer sur le site internet, la boutique de l'émission, cdaccordéon.com. Voilà, Jérôme et Madeline sont en place pour le duo, le tango d'un, deux, trois, musette. C'est parti! Madeline et Jérôme Richard, le tango d'un, deux, trois, musette. Merci beaucoup à tous les deux pour ce très beau duo. On va parler du magazine Accordéon Accordéoniste, le seul magazine consacré au piano à bretelles. Et oui, c'est une très belle revue voilà, consacrée à l'accordéon, les boutiques de CD, DVD, les séquences pédagogiques et tous les grands rendez-vous de l'accordéon et de la danse. Et il y a également les partenaires qu'on aimerait remercier, les accordéons Evolo, www.evolo.fr. Et vous qui aimez la danse mais également l'accordéon, vous pouvez réserver d'ores et déjà tous vos CD et vos DVD sur la boutique www.cdaccordéon.com. Merci beaucoup, je vous laisse aller vous mettre en place pour clôturer cette émission avec le générique 1, 2, 3, musette. Et j'en profite pour rappeler les derniers albums de nos invités, Thierry Bonnefou, Parfum d'accordéon, la compilation Un dimanche aux guinguettes, un mélange de chansons françaises, et puis les accordéonistes de 1, 2, 3, musette sont également présents sur cette compilation. Plus d'informations sur l'émission, le site internet www.pilprod.com. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite pour un prochain numéro d'un, deux, trois, musette. Salut !